Monsieur Jnidi, donc voilà, Monsieur Jnidi, donc c'est notre ami algérien. Donc il va parler de la Journée mondiale de la qualité. Il est consultant en système de management, ingénieur des mines d'école polytechnique d'Alger. Il est né en 48 à Ras El Oued. Il accompagne les entreprises. Consultant auprès de l'ONUDI, ancien directeur général de l'IANOR, c'est l'INOPI tunisien. Il est membre du Conseil national algérien de normalisation, du jury du prix algérien de la qualité, etc. etc. À vous la parole. Merci. Je vais vous présenter un bilan de la célébration des Journées mondiales de la qualité de 2010 à 2018. Les lieux de déroulement de ces journées mondiales, sur les 9, il y a eu 2 à Sfax en 2012 et en 2017. Les 7 autres ont eu lieu à Tunis. Le format des journées, format d'un jour en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2 jours. Les thèmes qui ont été traités, management de la qualité, un choix stratégique, sur le chemin d'excellence, qualité, productivité, compétitivité, le management participatif, outil et style, qualité et responsabilité sociétale, les nouvelles tendances du management de la qualité, de la bonne gouvernance à l'excellence opérationnelle, qualité et innovation, comment transformer la culture de votre entreprise, la communication qualité, sécurité et environnement dans l'entreprise, comment rendre plus performant son système de management, amélioration, innovation, transformation. Les intervenants tunisiens, 26, 8 français, 3 algériens, 2 japonais, 2 du Royaume-Uni, 2 un australien, un égyptien, 1 de l'Émirat arabe uni, 1 d'Italie, 1 du Maroc. Au total, 46 intervenants. Je cite les noms à titre de reconnaissance et d'hommage. La Tunisie, M. Akrout Hanan, Azoun Siham, Behloul Rim, Ben Shouba Amin, Ben Farhat Amal, Ben Hassin Slim Mounir, Ben Mahmoud Mohamed Adel, Boubacar Nobel Hussein, Bouzid Lutfi, Sherif Dora, Al Ayed Zouhair, Elouch Maher, Elouch Wafa, Fershishi Azdin, Hanshi Belkassem, l'imam Mohamed, Mani Nasser, Marrakchi Zouhair. Mechri Hadi, Tiraoui Ali, Nefti Rachid, Rgeyig Mohamed, Rgeyig Moïse, Sassi Mohamed Taher, Zgayir Jihad, Triki Sahli. De France, Dr. Kassar Jean-Paul ici présent, Derive Corinne, Gharbi Ressad, Hamoudi Sonia, Mansar Fritsch, Angiong Patrick, Tonel Arnaud, Christophe Villalonga ici présent, et Maïni Eric. D'Algérie, moi-même, M. Mansour Al-Akhdar, l'Arbaoui Souhaid, du Maroc, Mohamedi Mohamed, d'Italie, Silona Ornella, Grande-Bretagne, Hutchins David, Okori Sharon, du Japon, Hirayabashi Yoshito et Sakano Kozo, d'Australie, Corriero Angela, des Arabes Arabes Unis, Dr. Malat Yassine Maya, ici présente, d'Égypte, Béchaï Samuel. Le nombre de participants, c'est le nombre d'entreprises et d'organismes. En 2010, il y a eu 145 participants de 48 entreprises. En 2011, 175 participants de 65 entreprises. En 2012, 125 participants de 40 entreprises. En 2013, 85 participants de 34 entreprises. En 2014, 103 participants de 52 entreprises. En 2015, 113 participants de 52 entreprises. En 2016, 129 participants de 52 entreprises. En 2017, 96 participants de 32 entreprises. Et en 2018, 78 participants de 43 entreprises. Le plus grand nombre de participants, c'était en 2011, donc la deuxième année de la célébration de la Journée mondiale. Les sponsors officiels, le premier d'entre eux, c'est Sopal, qui a tout le temps été de toutes les journées. Les autres sponsors, groupe Tunisie Télécom, Randa, Amori Build Group, Hypness et partenaires, Société industrielle de grillage, Web2.com, Flexoprint, Chartered Quality Institute,
Global Exhibition Corporation, Bus Communication, ZMC, le bureau de M. Zoensk. Marakchi, Best Solution Informatique, Sango El Moradi, Maghreb ISO EN Certification, SPFS, Qualinov. Merci pour votre attention. Ça, c'est un bilan des 9 journées mondiales. Donc, en votre nom, je remercie tous les intervenants, M. Mani, qu'on applaudit, M. Kassar, Dr. Kassar, Christophe Villalonga, Maya, Dr. Maya, et M. Jidi Bendaoud. À l'année prochaine, le 12 novembre 2020. Merci beaucoup. Bye.